Salut, salut! On se retrouve dans ma vidéo accouchement et bilan, puisque vous avez été nombreuses à regarder mes vlogs sur ma deuxième grossesse. Et je voulais vous faire mon petit bilan sur cette grossesse et vous parler un petit peu de mon accouchement, puisque pour ma première grossesse, vous avez été nombreuses, nombreuses à réagir sur mon accouchement que j'avais vécu et que c'était une césarienne. Cette fois-ci, pour bébé 2, c'était un accouchement par voie basse. Un accouchement naturel. Et du coup, je voulais vous en parler un petit peu. On est aujourd'hui fin avril. J'ai accouché le 7 avril de mon petit garçon qui s'appelle Oran. Je remettrai l'écriture ici parce qu'il y a beaucoup qui me posent la question sur comment ça s'écrit. Comment j'ai vécu ce moment-là? Alors, je sais même pas par quoi commencer tellement à chaque fois c'est compliqué, mais voilà, le 6 avril exactement, entre le 5 et le 6 avril, j'ai eu des contractions pendant la nuit et le 6 avril, ça a continué pendant la journée. C'était des contractions assez régulières, mais j'avais pas de perte des os, j'avais pas de signes particuliers, à part des contractions qui restaient légèrement, parfois douloureuses, mais supportables. D'ailleurs, je vous ai même filmé des vidéos à ce moment-là, ça restait quand même supportable. Mais en fin de journée, du coup, le 6 avril, donc en fin de journée, ça commençait à devenir très rapproché et moins supportable. Du coup, mon mari m'a emmené à la maternité, même si je savais que c'était une fausse alerte. Mon mari voulait absolument m'emmener à la maternité pour quand même qu'on vérifie si tout va bien. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a fait arrivé là-bas, on a fait un monitoring. Ils ont checké un petit peu, regardé si tout allait bien au niveau du col, si ça s'était ouvert. Il s'est avéré que rien ne s'était ouvert, enfin un tout petit peu, mais pas grand-chose, et que le col donc était un tout petit peu ouvert, et qu'au niveau du monitoring, on voyait bien que j'avais des contractions régulières, qui étaient plus ou moins douloureuses, mais que ça restait encore tout à fait gérable. Donc ils m'ont proposé soit de rester à la maternité et de me mettre sous médicaments, enfin un truc qui va soulager un petit peu les contractions, soit de rentrer chez moi et de rester chez moi du coup pendant la nuit et de voir ce qu'il en est demain. Ne voulant pas rester à la maternité parce que moi je déteste les hôpitaux, j'ai préféré rentrer chez moi et souffrir chez moi. Au moins, comme ça, j'étais chez moi. Donc, on a retrouvé des amis, on a même eu un petit accrochage sur le périphérique parisien. Tout allait bien à ce moment-là. Enfin, bref, c'était vraiment le bazar et c'était du grand n'importe quoi. Même si nous, on était hyper organisés, c'était voilà les circonstances qui ont fait que, en arrivant chez nous, on a eu du mal d'ailleurs à faire garder notre fille. C'est assez compliqué quand on va avoir un deuxième enfant de faire garder notre premier enfant, quand on n'a pas forcément toute notre famille autour de nous. Je sais pas si vous, ça a été votre cas, mais bon, heureusement mon papa et ma belle-mère sont venus pour la garder et des amis sont arrivés du nord entre-temps. Donc bon. Parce que j'étais pas censée accoucher à ce moment-là, il me restait encore quelques jours, hein, j'ai pas précisé, mais j'étais censée accoucher le 15 avril, on va dire. Le terme c'était le 15 avril. Et ma fille, son anniversaire, c'était le 9 avril, et j'aurais préféré accoucher après son anniversaire, mais bon. La vie, on a voulu autrement. Et du coup, le soir, donc, j'avais toujours des contractions, mais on va dire que ça allait. Pendant la nuit, j'avais des contractions, mais j'arrivais à dormir. Ça me réveillait, on va dire, toutes les heures quand il y en avait des très fortes, mais ça restait tout à fait gérable. J'ai quand même, vers 5h, 6h du matin, ça commençait à être un peu plus douloureux. J'ai quand même été donc prendre un bain. Puisque souvent on vous conseille, enfin toutes les sages-femmes pendant les cours de préparation à l'accouchement, etc. On vous conseille de prendre un bain quand vous avez des contractions. Ça permet, la chaleur du bain permet d'apaiser un peu le ventre et de calmer un peu l'utérus, on va dire. Et du coup, ça fait du bien. Alors oui, ça m'a fait du bien, mais après quand on sort, ça c'est reparti de plus belle. Et j'ai commencé un petit peu à perdre du liquide qui était un peu jaune. Alors je ne savais pas si c'était du coup la perte des os, parce que je pensais vraiment que la perte des os, ça arrivait d'un coup comme ça. Mais en fait, non. Ça peut arriver par petites bribes et après d'un coup. Du coup, comme c'était un peu jaune, je me suis dit, bon, peut-être que c'est des pertes urinaires, des choses comme ça. Ça me paraissait bizarre, mais bon. J'avais rendez-vous à la maternité vers 10h du matin, donc entre 5h et 10h du matin. Après mon bain, j'ai essayé de me rendormir un tout petit peu. Après, j'ai déjeuné, voilà. J'en ai profité pour manger parce que je me suis dit que si à la matière, il me gardait, j'allais plus manger. Oui, hein, parce que quand vous commencez à être en salle de travail, vous ne mangez plus. Et du coup, voilà, je suis partie à mon rendez-vous à 10h. J'avais toujours ce liquide qui coulait, mais ça restait encore gérable. Et arrivée à la mater, je sentais que là, ça coulait beaucoup plus. Donc, en fait, c'était la perte des os.
D'ailleurs, j'étais sous monitoring, j'avais beau leur dire aux filles qui étaient là, que je pensais que je perdais les os, etc., elles en avaient rien à taper. Et j'avais beau leur dire que c'était quand même une couleur un peu pas terrible et que c'était pas transparent comme la perte des os, normalement, elles en avaient rien à péter. Après, j'ai vu une sage-femme qui a commencé à dire, ah oui, là, c'est inquiétant. Et la sage-femme a décidé donc de m'emmener aux urgences qui étaient juste à côté, aux urgences donc de la maternité, parce que j'étais tout simplement en train de perdre les os et que la couleur n'était pas terrible, parce qu'effectivement, la couleur devait être transparente pour toute personne normale, mais moi, elle était du coup jaune, ça voulait dire que mon petit orane, il avait fait caca dans le liquide amniotique, et que du coup, il n'était pas au top de sa forme non plus. Mais arrivé aux urgences, ils ont quand même dit bon, on va commencer à surveiller tout ça, on va vous mettre sous monitoring. Une heure ou deux après, j'avais la péridurale puisque vraiment les contractions commençaient à devenir fortes, mais ça restait tout à fait gérable, mais ça devenait fort. Et voilà, donc ils s'inquiétaient pas plus que ça de la couleur du liquide et ils voulaient absolument que j'accouche par voie basse. Hein, donc même si j'avais eu une césarienne, je me dis bon, on verra bien et tout. Alors, ce qui était rigolo, je ne sais pas si ça a été votre cas, si vous êtes maman et que vous avez vécu ça, mais alors pendant la péridurale, quand on vous pose la péridurale, vous ne sentez plus rien après. C'est dingue, les contractions, genre c'est la fête, hein, vous êtes tout va bien, c'est tranquille ou bilou. Vraiment, c'est assez rigolo. D'un coup, le temps, il est sympa, quoi. On va dire, oh, on est là, on attend que ça vienne, mais on sent plus grand-chose. Et on sent plus trop ses jambes d'ailleurs. Pour les soulever, c'est un peu plus compliqué, etc. Donc c'est plutôt sympa ce moment-là. Mais il dure pas 50 ans. C'est-à-dire que moi, on m'a posé la péridurale à 14h. Et je peux vous dire que vers 17h, 18h. Alors j'étais toujours sous péri. Hein, mais d'un coup, j'avais les effets secondaires de la péridurale. Effets secondaires, je ne sais pas si vous les avez vécus. Mais effets secondaires, j'ai eu droit à donc avoir. Avoir, à me gratter, voilà, chercher dans l'ordre. Ça me grattait partout, dans le dos surtout, alors bien sûr dans les zones qu'on ne peut pas du tout accéder. Et alors je demandais tout le temps à mon mari de gratter à tel endroit, le pauvre il en avait marre, mais c'est pas grave. Donc ça me grattait partout, partout le corps, donc ça c'est un des effets de la péridurale. Et j'ai pu aussi avoir très très froid, alors je pense que juste avant d'accoucher j'étais mais en tremblote, j'avais les dents qui claquaient, et tellement mes dents claquaient, ça me faisait mal aux dents. Au molaire, c'est pour vous dire. J'avais mes froid, 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 comme s'il faisait moins 10 dans la pièce. Donc j'étais frigorifiée et j'étais vraiment comme ça. J'étais toute crispée du coup parce que j'avais super froid. C'était un effet étrange. Hein. Alors je demandais aux sages-femmes qui me disent oui, c'est l'effet de la péridurale. Bon, vous avez tous les effets, ça dépend vraiment des femmes. Ok. Et le dernier effet, c'est que j'avais tellement froid et dès que j'avais une contraction en fait, parce que je commençais à les sentir en fait à la fin, quand le col commençait à être vraiment bien ouvert et que le travail se préparait fortement, je commençais à sentir les contractions, ça restait pas très douloureux, mais à sentir tout ça. Et quand j'avais une contraction, je vomissais. Alors je sais pas si ça a été votre cas, mais du coup voilà, j'ai vomi. Alors heureusement qu'on vous donne pas à manger, du coup à partir de midi j'avais plus mangé, vers 20h, 21h quand j'ai commencé à vomir. Il n'y avait pas grand-chose à vomir à part de l'eau, hein, parce qu'on a le droit de boire. Et voilà, j'ai eu tous les effets de la péridurale. Hein. Bon, c'est des effets qui restent, on va dire, pas graves du tout. Tant mieux. Mais je vous avoue qu'au moment où quand je vomissais pendant les contractions, je me suis dit, mais comment je vais faire au moment de pousser si je suis en train de vomir? Je me suis posé la question quand même. Mais bon. Alors il s'avère que ça a été très long l'attente, en fait, parce que je suis arrivée vers midi, j'ai eu la péridurale à 14h et j'ai accouché à 23h46 ou 48, je ne sais plus. Donc c'est pour vous dire qu'il y a eu quand même 10h, 11h d'attente. Ce petit orane s'est fait attendre, hein. Mais en fait, l'ouverture du col a été longue. Au début, ça a fonctionné très bien, mais en fait, il vous donne un produit pour accélérer l'ouverture du col et il s'avérait que ce produit ne plaisait pas trop à Monsieur Orane. Et du coup, il faisait des ralentissements cardiaques à ce moment-là. On m'a demandé à chaque fois d'être sur le côté. Donc pendant 4 heures, j'étais sur le côté pour qu'il aille mieux, etc. Enfin, donc on arrêtait le produit pour qu'il aille mieux. Après, on remettait le produit parce que pendant qu'on arrêtait le produit, sinon, ça voulait plus s'ouvrir le col. Donc c'était une vraie galère. Donc voilà. Mais à 11h40, enfin 11h30, ils ont décidé donc de m'installer pour le travail, pour le final, l'accouchement final. Et du coup, voilà, j'ai accouché par voie basse à 23h46 ou 48, comme je vous dis, je ne me rappelle même plus. 46, je crois.
Et ça n'a pas duré très longtemps. Au final, l'accouchement en lui-même, ça a duré à peu près 15 minutes. Ça a été très rapide. J'ai pas. Finalement, c'est pas ça le pire, je crois. Je crois que c'est l'attente le pire. Cette longue attente, et surtout quand j'avais des effets de la péridurale. Mais le moment d'accoucher, le moment où on pousse, le moment où. Si on a écouté un petit peu les cours de préparation à l'accouchement, ça reste. Assez raisonnable, ça reste tout à fait gérable. J'ai eu de la chance de pas avoir eu recours aux ventouses ou aux trucs comme ça. Mais il faut savoir que l'accouchement, ça se prépare quand même avant. Oui, parce que avant d'accoucher, avant mon terme, j'avais bu des feuilles de framboisier. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est des sortes de tisanes que vous pouvez boire avant, à la fin, enfin, à votre terme, à peu près 40 semaines, et ça va aider en fait votre corps à accoucher naturellement et à préparer l'utérus pour l'accouchement. Et je sais pas si ça a marché, mais en tout cas j'en ai bu et j'ai vrai que j'ai accouché pas trop longtemps après. Et on va dire que je pense que ça a aidé. Et j'ai aussi utilisé, vous savez, les huiles spéciales périnées pour, j'allais dire huiler mon périnée, c'est bizarre comme expression, mais pour hydrater un petit peu mon périnée et qu'il soit plus malléable. Et du coup, comme ça a évité toute déchirure. Pendant mon accouchement, j'ai eu une épisio, je crois 4 points. Bien sûr, on sent rien. Ils le font, ils vous le disent même pas d'ailleurs. À la fin, quand ils sont en train de recoudre, ça, on le sent, hein, parce qu'ils ont enlevé la péridurale et du coup, même s'il y a encore un peu les effets, on sent le moment où ils sont en train de vous recoudre tout ça, quoi. Et du coup, ben voilà, j'ai eu la chance donc d'accoucher en région parisienne, même à Paris, hein, à Paris. Et tout s'est bien passé, mais pendant l'accouchement, j'ai eu de la fièvre. Il s'avérait que j'avais le fameux germe, le streptocoque B, je crois que ça s'appelle. Je sais, alors toutes les mamans ou celles qui ont eu une grossesse vont savoir ce que c'est, toutes les autres, vous ne saurez pas. En fait, c'est un germe naturel que vous avez, une sorte d'infection que vous avez au niveau du col de l'utérus. Et du coup, pendant votre 9e mois, la maternité est censée faire un examen pour le vérifier. Moi, je l'ai fait cet examen et je ne l'avais pas. Je l'ai fait 2 semaines avant à peu près mon accouchement et j'avais pas ce germe et il s'est avéré qu'il peut, alors soi-disant il peut arriver à n'importe quel moment, il s'est avéré que pendant l'accouchement, bah voilà, je l'avais. Et comme sur mes résultats, j'avais pas ce germe, ils ont pas mis d'antibiotiques pendant mon accouchement. Parce qu'en fait, quand vous l'avez et qu'ils le savent, ils vous mettent des antibiotiques pendant votre accouchement, ce qui évite de contaminer le bébé. Comme moi, bah on pensait que j'avais pas le germe, ils n'ont pas mis d'antibiotiques, du coup, bébé est passé normalement et lui aussi a attrapé ce germe et du coup c'est plus compliqué pour un nouveau-né quand il a le streptocoque B puisqu'il doit être sous antibiotiques etc etc. C'est pour ça que vous avez été nombreuses à me demander mais pourquoi ton enfant est resté aussi longtemps à la maternité? Oui parce que bah en fait il avait le streptocoque B et du coup bah on a dû rester 1 semaine à la maternité, surtout lui, moi je pouvais sortir au bout de quelques jours, mais lui il devait rester sous antibiotiques, intraveineuse, etc., en néonate, surveillé par donc les sages-femmes, et du coup moi j'ai demandé à rester avec lui pour pouvoir l'allaiter, pour pouvoir être auprès de lui à chaque fois, que ce soit nuit et jour, qu'on puisse venir me voir, et je voulais pas rentrer chez moi pour qu'on m'appelle. Qu'on me dise venez, nanani, nanana. Je préférais être là à côté de lui, donc je suis restée 1 semaine. Et au bout d'une semaine, ses résultats n'étaient pas top au début. Hein, ses résultats après les intraveineuses, les premiers effets des antibiotiques, c'était pas top. Ils nous ont dit bon, on va faire une ponction lombaire, etc. Donc ça, c'était vraiment dur d'accoucher, de vivre ce moment hyper intense, de découvrir son bébé, mais de savoir qu'il était quand même du coup bah, contaminé, malade. Même si je pouvais rien faire, hein, c'est pas de ma faute, j'ai envie de vous dire, mais voilà, ça m'a un peu saoulée, mais c'est la vie. Et du coup, au bout d'une semaine, il allait beaucoup mieux. Ses résultats étaient beaucoup mieux. Les sages-femmes ont été formidables dans l'hôpital où j'ai été. Elles se sont occupées de lui vraiment très très bien. Et elles étaient vraiment là pour nous conseiller, pour nous donner. Enfin, c'était des femmes adorables. Et du coup, eh bien, au bout d'une semaine, on a pu sortir et se retrouver à quatre à la maison. Et ça, c'était le bonheur, le bonheur, le bonheur. Même si trouver un rythme à quatre, c'était une grosse galère. Parce que ma fille, au début, elle s'est dit, c'est quoi ce bébé? Elle était contente d'avoir un bébé. Elle a compris que c'était son frère, etc. Et de le découvrir. Mais elle s'est dit, oh là là, mes parents s'occupent trop de lui, là. Et du coup, elle avait tendance à faire un petit peu des petites crises. Pas de jalousie, mais elle se faisait remarquer, en tout cas, pour qu'on l'écoute et qu'on la voie.
Là, ça s'est calmé, donc là, ça fait déjà 3 semaines et ça s'est calmé, donc je pense que maintenant on va prendre un rythme plus normal. Voilà pour mon accouchement, je pense que j'ai rien oublié. Enfin, si, j'ai dû oublier plein de choses, mais ça me viendra plus tard. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions d'ailleurs en barre d'infos. Mais voilà, je reviendrai vers vous si vous voulez un vlog un petit peu les 3 mois de bébé, la suite un peu de ce qu'il en est. Mais sachez qu'aujourd'hui, maintenant, Oran va très très bien. Il est bien suivi, il a commencé à reprendre son poids, du poids. Il est suivi du coup à la PMI, comme tous les bébés hein, d'ailleurs, parce que ma fille, elle avait été suivie à la PMI, parce que le poids, il rigole pas avec ça. On surveille bien sa température, on surveille bien comment il est pour voir s'il n'y a pas de rechute après cette fameuse infection du streptocoque B. Et du coup, bah voilà, je me suis très très bien remise de cet accouchement et je vous avoue que c'était un. Je vais pas dire que c'était le meilleur moment de ma vie parce que ça reste quand même une épreuve l'accouchement. Toute cette attente, tout ce truc, ça reste une épreuve, mais honnêtement, c'est une épreuve surmontable et moi qui avais vraiment peur de ça, maintenant je peux vous dire que j'en ai beaucoup moins peur. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air et à aller voir ma vidéo accouchement de ma fille si ça vous intéresse sur la césarienne. Comme ça, j'aurai vécu les deux types d'accouchement. On verra si je fais un troisième maintenant, hein. Allez, je vous fais de gros bisous. Salut, salut!